extrêmement importante. Je laisse la parole à la vice-présidente Christine Garnier. Merci, Monsieur le Président. C'est effectivement une délibération importante, très importante. C'est le premier programme local de l'habitat de notre métropole et nous l'élaborons en cohérence avec le PADD sur lequel nous venons de débattre longuement. L'élaboration de ce PLH, et je rappelle, c'est bien un programme local de l'habitat et bien un plan, c'est un programme détaillé. Cette élaboration représentait une année de travail et avec une méthode la plus collaborative possible. Ça a été un travail en particulier, et je veux le souligner, avec les maires et leurs adjoints afin de construire les guides de programmation communaux et d'identifier donc les opérations qui peuvent avoir lieu sur la durée du PLH, puisque c'est un vrai programme de logement. Et c'est bien uniquement dans une collaboration solide, renforcée entre la métropole et les communes que nous parviendrons à réaliser les objectifs ambitieux que nous proposons dans ce PLH. Ça a été un travail donc collaboratif important aussi avec les associations de locataires, les associations de solidarité, dont Un Toit pour tous, et nous en sommes fiers, et les professionnels de l'habitat, bailleurs, promoteurs, et également avec les habitants. Nous avons pu travailler avec le conseil de développement, avec le panel citoyen du PLUI, avec un comité d'habitants spécifique au PLH et qui a été mis en place. Et je voudrais particulièrement remercier les services de la métro, des communes et de l'agence d'urbanisme pour ce travail considérable. Et j'en profite pour informer les élus que quelques fautes de frappe ou coquilles qui ont été signalées par les communes en particulier ont été corrigées dans ce document qui vous a été remis à l'arrivée sur cette petite clé USB. Alors, après cette introduction, vous dire que c'est un PLH avec des priorités qui sont claires. La première priorité, comme nous l'avons dit lors de lancement de l'élaboration, est de mettre l'habitant au cœur de la politique du logement de la métropole. L'objectif est bien de mieux répondre à ce besoin essentiel qu'est le logement, pour que chacun et chacune puisse se loger, mais surtout que chacun et chacune puisse avoir accès à un logement à la fois abordable et désirable. D'où cette élaboration collaborative avec les habitants qui ont apporté des contributions constructives. Et en particulier, une attention sera portée à la qualité du logement et à l'adaptation aux nouvelles attentes, aux nouveaux besoins, avec par exemple des logements modulables, plus de rangements, des parties extérieures, jardins, terrasses, avec une attention également au coût du logement, avec une nouvelle possibilité sur laquelle nous allons travailler, d'accession sociale, également dans l'ancien, dans l'existant, ou un travail sur la mise en place de l'encadrement des loyers et sur la baisse des charges par l'isolation thermique. Les habitants nous ont demandé également, et ça correspondait à nos priorités, de mieux répondre à la transparence, à une meilleure information, et en particulier sur le logement social. Et c'est bien tout le travail qui est réalisé autour de l'accueil des demandeurs de logement social, autour de la politique d'attribution, autour du projet de maison de l'habitant, autour de la location active. Et enfin, une autre façon de participer pour les habitants sera les propositions qui seront faites autour de l'habitat participatif, donc dans la production de logements. Donc, première priorité, l'habitant au cœur. Une deuxième priorité, la réhabilitation massive des logements, que ce soit pour réduire les émissions de gaz à effet de serre ou pour réduire aussi la pollution locale, un sujet d'actualité, mais qui correspond bien à un travail de fond de la métropole. Dans ce cas, des objectifs sont aussi de réduire le nombre de logements vacants et de favoriser l'attractivité du parc existant. Pourquoi les logements vacants? De nouveaux enjeux sont apparus récemment au cours de ces dernières années. Il s'agit de renouvellement générationnel, très important. Il libère environ 900 logements par an, 900 logements anciens pour la plupart.
Donc c'est un nouveau phénomène à prendre en compte et qui va en parallèle avec le développement de la vacance qui atteint 3%, la vacance de long terme, 3% du parc privé. Et je parle bien du parc privé. Dans ce cas, nous ne pouvons pas laisser se développer un parc qui serait à deux vitesses, un habitat neuf de qualité et puis un habitat ancien qui se déclasserait. Et c'est pourquoi donc l'action, pour ces différentes raisons, l'action sur le parc existant est importante. Bien sûr, l'action sur le parc privé avec Murmure 2, et avec Murmure 2, c'est l'accompagnement, la réhabilitation de 10 000 logements, mais d'autres actions, on a parlé tout à l'heure des OPA, les opérations programmées d'amélioration de l'habitat, mais également, dans le cadre de l'ANRU, le plan de sauvegarde de l'Arlequin. Bien sûr, le parc public n'est pas oublié, avec une rénovation du parc public orientée principalement là où les besoins sont les plus importants, c'est-à-dire les quartiers prioritaires politiques de la ville et les communes qui ont plus de 25% de logements sociaux et qui ont un parc de logements sociaux plus ancien. Sur le parc existant, le travail se fera aussi sur la mobilisation de ce parc avec l'identification de la vacance. Un observatoire est déjà en cours avec un travail sur des moyens d'action, par exemple en travaillant sur la fiscalité des logements vacants et l'élaboration de nouveaux dispositifs pour favoriser le conventionnement et qui visera notamment à renforcer la communication, l'information des habitants, propriétaires ou éventuels locataires sur cette possibilité de conventionnement, et puis la sécurisation et l'accompagnement des propriétaires. Troisième grande orientation de ce PLH, c'est la construction neuve, et qui sera répartie de façon beaucoup plus équilibrée sur le territoire. Avec un objectif, il est de répondre aux besoins des habitants de la métropole, puisque la croissance naturelle des habitants continue, puisque le desserrement des ménages se poursuit, et avec un objectif qui est d'obtenir un solde migratoire équilibré. Actuellement, il est négatif, vous le savez. Cet objectif donc correspond à la volonté de rééquilibrer la production logement, et notamment de logements sociaux, avec un meilleur équilibre social et territorial. Notre objectif, c'est d'accompagner les communes vers un taux. Là, on est sur un PLH 2017-2022. On s'approchera très vite, on arrivera très vite ensuite à 2025. Et notre objectif est bien d'accompagner les communes vers un taux, les communes qui sont astreintes à la loi SRU, vers un taux de 25% en 2025, ce qui correspondra également à un taux de 25% en moyenne sur la métropole. Car il y a bien des besoins en logement social dans toutes les communes, et par exemple pour les jeunes qui veulent prendre leur indépendance, pour les personnes âgées, pour des familles monoparentales. Une petite exception est proposée pour la commune de Volnavé-le-Haut, qui s'est retrouvée astreinte très récemment et qui a un rattrapage considérable à effectuer, mais que nous travaillons fortement à soutenir dans la volonté des élus de rattraper la production. Donc, en termes de production de logements, l'objectif est de 2900 logements par an produits, dont 250 mobilisés dans l'existant, donc pour lutter contre cette vacance, cette déqualification du parc, et le reste en logements neufs. En ce qui concerne les logements sociaux, les objectifs sont de 1300 logements sociaux, dont 200 en acquisition-amélioration, c'est-à-dire acquisition de logements privés par des bailleurs sociaux, par exemple un toit pour tous, mais d'autres aussi, bien sûr, les grands bailleurs, et sans conventionnement, donc avec des logements privés, avec des propriétaires privés, mais en conventionnement social, ce qui permet de développer du social dans le diffus. À l'intérieur de cette production de logements sociaux, notre objectif aussi, qui est décliné dans ce PLH, c'est l'augmentation de la production de logements très sociaux, les PLAI, puisqu'il s'agit de répondre à la demande, puisque plus des deux tiers des demandeurs sont sous ces plafonds PLAI. Enfin, en matière d'hébergement, l'objectif est de mieux adapter l'offre aux besoins des ménages, puisqu'il y a actuellement un décalage entre les besoins et cette offre, avec trois axes importants. Tout d'abord,
une expérimentation qui a démarré, que nous voulons développer, et qui est de faire des ponts, enfin, entre l'hébergement et le logement. Donc c'est la démarche logement toujours, pour que ce soit le logement qui s'adapte aux ménages et non l'inverse, pour ne pas obliger les ménages à déménager pour des raisons administratives de situation de logement. Et donc, limiter l'impact en particulier sur les familles avec enfants. Nous aurons aussi un axe important de solutions d'hébergement pour des personnes victimes de violences familiales et pour les mineurs en rupture familiale. Et enfin, un renforcement des actions de la mousse d'insertion dont nous venons de parler au cours d'une délibération précédente. Cette mousse d'insertion qui donne, je l'ai dit, des résultats très positifs. Pour conclure, donc, dans la présentation, ce PLH se dote aussi de moyens innovants, donc de tous les outils nouveaux possibles, avec par exemple des baux fonciers innovants. On l'a vu aussi tout à l'heure avec une délibération sur Sassenage, avec des dispositifs nouveaux comme l'accession sociale dans l'existant, que nous allons étudier, avec l'encadrement des loyers, sur lequel nous essaierons de suivre les traces de Lille, qui démarre bientôt, après Paris, avec le travail sur la politique d'attribution qui est en cours, et avec, bien sûr, la suite de nos dispositifs de réhabilitation comme Murmure, qui sont exemplaires au niveau national. Et enfin, en continuant à développer la participation habitante sur toute cette politique de l'habitat. Et pour conclure, donc, aujourd'hui, ce n'est que la suite du travail sur ce PLH. Il nous est proposé d'arrêter le projet de programme local de l'habitat et ensuite de le soumettre pour avis aux 49 communes de la métro et à l'établissement public du SCOT. Donc chaque commune pourra, bien sûr, il sera appelé à donner son avis et à continuer le travail avant une nouvelle délibération qui aura lieu au printemps.